Oui, point tout, Seigneur. Oui, point tout, Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Dieu en Jésus-Christ. Nous vraiment reconnaissants envers vous-même parce que vous faites nous grâce. Ou permettre que nous soyons passés une bonne semaine en bien sous protection divine. Ou permettre nous les premiers jours dans cette nouvelle semaine. En plus, les difficultés étaient présentées éternelles pour nous pas là aujourd'hui. Mais grâce à vous-même qui campez un bon défenseur, ça permet que nous là aujourd'hui. Nous bénissons pour cette grâce que tu nous as accordée. Merci au Éternel pour chaque bagaille qui est en fait, chaque partie qui est assurée déjà dans la fête de moisson de la JBML. Merci au Éternel parce que tu es là ensemble avec le comité depuis la planification juste jeudi, qui est jour J. Merci au Éternel malgré difficultés, malgré épreuves, mon toujours là ensemble avec nous. D'ailleurs, c'est vous-même qui baille nous assurance si là, dans Matthieu 28, on dit que vous êtes là ensemble avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça même, dans le si là, nous présenter devant le trône de grâce, malgré toute sorte pour nous, malgré toute sorte pour nous. Mais nous estimer éternel le comportement nous, je nous agis pas pour plaisir du tout. C'est pourquoi nous venons te demander pardon pour nos transgressions, pour nos iniquités. Même Jean-David est conscient de l'état péché. David est allé de bon côté pour demander pardon pour péché. Et même Jean-Bon Dieu, moi-même qui a prié pour l'assemblée, je suis coupable pour eux. Parce que nous sommes conscients que nous ne sommes pas bons devant. Nous faisons seulement ça qui fait nous plaisir, ça qui fait amis nous plaisir, mais nous pas fait ça qui a fait plaisir. Pardon mon Dieu pour les gens nous comporter. Pardon mon Dieu pour les mauvaises paroles qui a sorti dans la bouche nous. Pardon mon Dieu pour les mauvaises pensées nous qui allaient trop loin parfois. Pardon pour tout ça nous fait qui n'est pas bon devant Dieu. Depuis notre maman nous sommes marqués par le péché. Nous faisons dans le péché, nous grandissons dans le péché. Jusqu'à présent, nous appeignons dans le péché. Mais nous voulons que, ô Éternel, ou aidez-nous à sortir dans l'état que nous sommes devant là. C'est pour ça que fait mon Dieu, nous demandons pardon. Pardon, mon Dieu, pour pécher chaque monde qui est présent dans l'assemblée, dans l'heure cela. Apôtre Paul déclaré dans le livre Romains, pas gagnon monde qui est juste, pas gagnon monde qui pas péché. Il dit nous tout qui là nous péché. C'est ça que fait mon Dieu. Nous demandons pas entrer en jugement ensemble avec nous parce que nous sommes conscients de notre état. Et nous regarder, nous a dit si ou t'a regardé et t'a péché nous et t'a la vie nous qui gens ça t'a pillé. Mon Dieu, dans l'heure là, nous venons demander grâce pour le pays. Nous-mêmes qui connaissons un moment qui est très difficile. C'est vrai qu'il y a une guerre dans tout le pays, mais nous-mêmes, le moment que nous connaissons en Haïti, c'est un moment catastrophique, un moment désastreux, un moment, mon Dieu, qui n'est pas agréable, même pour nous, les Haïtiens. Nous avons réfléchi comme jeunes, est-ce que nous avons un avenir dans un pays? Est-ce que en réalité nous avons demain qui a assuré? Parce que les choses pas bon du tout et de jour en jour, on va aller de mal en pire. Pas jamais un groupe de monde, pas jamais un politicien qui veut prendre responsabilité pour avoir dit bon, c'est assez, nous souffrons trop. Côté peuple là, yo a mouri pa pile et pa paquet. Pa gen ken moun ki épanier au Éternel Dieu. Moun couché la caillou, bandi rentré vinn piller, vinn voler, violer yo. Yo allé à tout ça yo gagnen. Gen moun tout bon Dieu c'est dans la rue yo ye. Yo recevoir balle. Gen moun tout bon Dieu c'est la caillou yo chita. Yo recevoir balle.
un pays côté même l'hôpital général qui c'est un empire l'hôpital que nous gagnons fermé porte un pays mon Dieu qui pas fonctionner en réalité mais pourtant mon Dieu vous fait nos grâces et toujours pour nous secours. Amen, mon Dieu, nous avons toujours demandé, mon Dieu, pour porter nos secours. Pour le comité de la GBM, le secours. Pour chaque jeune, mon Dieu, secours. Parce que nous n'avons pas gagné l'autre espoir encore. C'est vous-même qui dit, nous n'avons pas gagné maman, nous n'avons pas gagné papa, pour nous compter sur vous. Eh bien, mon Dieu, où là, où va ramasser nous. Eh bien, c'est seul où nous comptons sur lui dans l'heure si là, qui a dit un mot pour nous, les jeunes, qui a dit un mot pour le pays. D'Haïti qui a connu un moment qui est très difficile. Mon Dieu, nous lever devant vous, chaque monde qui fait partie du comité général de l'église, mais spécialement, pasteur Nouyo, nous lever pasteur Hudson, Jean-Baptiste, lui-même qui a pas au prince, il y a un côté qui a un peu de difficulté. Nous avons demandé, mon Dieu, vous bénir, famille, madame, li, petite, li, yo, bénir, entourage, dit mon Dieu. Béni ministère li même Jean nous a demandé au bon Dieu pour qu'a bénir le révérend du bois Saint-Smir yon qui militait en pile dans les vous béni madame li bon Dieu béni petite li yo béni tout ça que lui même li a dirigé béni chaque diacre et diaconesse au éternel qui fait partie du comité de l'église là chaque prédicateur prédicatrice béni yo béni chaque secteur qui gagne en dans l'église à mon Dieu béni le département de la jeunesse yo même qui a fêté fête moisson yo jodi a nous demandons au bon Dieu pour faire grâce et pour bénir chaque jeune qui en difficulté protéger mon Dieu en pile fois yo gen yo nan yo moment qui difficile yo pa gen ken lot espoir l'école yo mon Dieu université pour payer cette tête chargée nous mande vous di un mot mon Dieu pour yo course la vie a qui augmenté pour ta ces même salaire que chaque monde te kon gen yo c'est eux même yo a faire face à li chaque jour pa gen gaz pa gen ken moyen pour monde fonctionner dans pays a. Mais nous demandons, mon Dieu, pour camper pour nous, pour dire un mot pour nous. En vérité, si vous dites un mot pour nous, nous essayons un pays qui a effondré finalement. Nous demandons, mon Dieu, chaque monde dans l'église là qui est en difficulté, soit qui est malade, nous demandons, vous dire un mot pour nous, frère Jordani, vous dire un mot pour lui, mon Dieu, frère Saint-Clair, pour passer visiter lui, monsieur Raoul, pour passer visiter lui, mon Dieu. Frère Théodore Guerrier, pour passer visiter lui, bon Dieu, côté lié à bon Dieu. Frère Jovenel, pour capable dire un mot pour lui, lui-même qui était frappé par un accident, dit un mot pour lui. Nous levons devant bon Dieu chaque institution, l'église a gagné, collège Ebenezer, mon Dieu, et Massap 90, CDEJ HA0793. Nous demandons au bon Dieu pour bénir, pour inspirer chaque monde qui a dirigé l'institution Sayo. Comme ça, tout ça yo va faire, va aller dans le sens où et pour le développement de l'Église en général. Dirigez-nous, bon Dieu, protégez-nous, monde qui est en difficulté, qui sont à bon l'hôpital, dans le moment si là, qui a besoin de secours, monde docteur dit qu'il n'y a pas bien la vie. Nous demandons, mon Dieu, pour aller dire un mot pour vous, puisque vous êtes docteur par excellence. D'ailleurs, nous vivons dans un pays, côté la santé, côté un pile corps, et vraiment pas gagner un pile l'hôpital de qualité. Nous demandons, mon Dieu, pour dire un mot pour nous-mêmes, nous lever chaque partie qui vient pour fête, dans la fête de moisson si là, devant, mon Dieu, pour faire une fête en bien et pour ta gloire. Parole qui gagne mon Dieu pour délivrer, nous demandons vous utiliser serviteur à mon Dieu comme un canal. Et vous faites parole vous sortir directement de vous-même. Comme ça, chaque monde qui est là, mon Dieu, qui parle écouter, il va édifier, il va voir une parole pour vous. Chaque monde qui est en difficulté, monde bon Dieu, qui n'a pas quel autre espoir à travers ta parole que tu vas envoyer et vous-même, il va édifier. Béni chaque musicien, bon Dieu, chaque jour, qui baille corps et âme. Béni équipe
adoratrice, bon Dieu, qui est là ensemble avec nous matin, hein, qui a adoré ensemble avec nous, protéger. Bénis chaque monde, bon Dieu, qui siège ensemble avec nous aujourd'hui. Hein. Reste avec nous, ô Éternel, nous pas prions en qualité de monde qui bon, ni qui mérite. D'ailleurs, nous prions au nom de Jésus lui-même, qui était d'accord, venir mourir sur la croix, qui était d'accord, venir meurtrir sur la croix pour pécher nous, être capable de pardonner. C'est dans le nom de Jésus, si là, nous prions lui-même qui a vivre et qui a prégné pour tout un temps. Amen. Remerciement spécial à pasteur Mikendi pour la prière pastorale. Maintenant, j'appelle la secrétaire de l'association de la jeunesse de l'église baptiste Maranatha de Limonade, la sœur Barbara Saint-Smir, pour la présentation des invités. Bon Dieu bénis-nous, grâce bon Dieu couvrez-nous. Pour nous être capables d'embellir la fête de moisson aujourd'hui, nous avons lancé plusieurs invitations à diverses associations. Je vais citer nous, si nous avons répondu à l'invitation à camper, et puis nous-mêmes nous allons battre un gros bravo pour nous. Nous avons un choral de la jeunesse de l'église évangélique Portail du Ciel. Association de la jeunesse de l'église baptiste de Petit-Anse. Chorale de la jeunesse de l'église baptiste Bethléem de Quartier Morin. Association de la jeunesse de l'église baptiste universelle du village. Association de la jeunesse de l'église évangélique Nouvelle Espérance de Limonade. Association de la jeunesse de l'église Jérusalem Céleste de Limonade. Association de la jeunesse de l'église de Dieu de Limonade. Association de la jeunesse de l'église baptiste Espoir de Déclé. Nous remercions. Maman, je vais vous applaudir l'association de l'église Espoir de Déclé. Merci. Nous remercions chaque association qui t'a quitté sans pas pour être capable de répondre à la fête de moisson nos matins. Nous disons merci. Bon Dieu va bénir nous plus. Maintenant, c'est le moment des annonces. Des annonces spéciales pour diriger cette partie, c'est bien le révérend Saint-Smir qui va présenter les différentes annonces et un rapport avec l'église baptiste en particulier et la communauté en général. Place maintenant au révérend Saint-Smir pour les annonces. Jésus. Bon Dieu, bénis-nous encore. Annoncio, moi gagné, m'a fait nous parler yo. À soir, gagné concert de moisson, c'est à 6h45, li a commencé. Mardi, si Dieu veut, à 19, n'a pas service de louange. Nous. Je voulais gagner avec nous groupe Léchi, qui a chanté, et sœur Aline Paul Michel, qui a porté méditation. Jeudi, si tu veux, dans la matinée, il y a un stage de jeûne. Dans la soirée, étude biblique. Pour étude biblique, c'est groupe Prétit qui a chanté là-dedans. Moi-même, ma là pour moi, porter exposé. Vendredi, si tu veux, n'a bien service de prière avec Cébéda. Groupe SSG, c'est lui-même qui a chanté. Sœur Judelaine Tellus Majac,
à porte-parole. Dimanche, si Dieu veut, je pour aller au fou et au moulin à gagner un service spécial entre triomphal de Jésus à Jérusalem. À gagner en fête de reconnaissance à la station de Jéricho. Et puis à gagner fête de moisson à l'église Espoir des Clés. Dimanche, si Dieu veut, pour la matinée. Dans l'après-midi, à continuer à gagner commémoration de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem avec la Ligue des pasteurs des limonades. L'y a fait à l'église chrétienne des combattants du dernier temps qui trouvent à Gachette. N'a gagné un service spécial service semaine sainte là, n'a gagné une belle semaine de prière et de méditation. Lundi 25, cellule de prière à faire adoration quoi les leaders à chanter groupe semence. Sœur Darline Osiris Daniel a porté intervention. Mardi 26, comité louange SSG et collège urbain. Eh bien, frère Jules a parlé sur le figuier maudit. Mercredi 27, équipe Salomon, Chiloa a chanté poétie et pèlerin. Frère Frisnel a parlé sur l'autorité de Jésus-Christ. Jeudi 28, Mara pour l'adoration à l'aile et héritier a chanté. Eh bien, sœur Marie-Claudette Mastin Alexis, il pourra venir parler sur la Sainte Seine. Vendredi, dans la matinée, nous connaissons gagné un spécial matinée de prière vendredi cap 29. Étant donné que moi publié déjà toute information ça yo, moi pas prêté trop, cependant faut me dire c'est équipe innovation cap responsable toute série a et puis a bien différents prédicateurs, gagne chorale et groupe qui sélectionné pour chanter. Messieurs, dames, quoi l'activité? N'a pas chanté à 9h. Quoi l'activité à 9h? Donc, à 9h, l'échi à 9h. Et puis, tout l'autre monde, nous capables de faire lecture, yo, n'a pas l'information, yo. Nous gagnons deux sœurs, l'église, là, qui décédée. Sœur Clovis Jean, funéraliste pour demain, si Dieu veut, à 3h. Sœur François Toussaint, funéraliste pour samedi. 23 mars à 2h. Moi, je voulais rencontrer avec deux ou trois jeunes qui t'a bien aimé pour une formation, pour jouer musique, pour jouer instrument. Nous voulons joindre trois jeunes. L'église là, pour encourager yo, encadrer yo, pour prendre une formation. Trois jeunes qui intéressés dans, pour une formation en musique, capable de chercher ou moins, pour nous joindre information, pour joindre un encadrement yo, pour aller à l'école de musique. Moi, je voulais joindre jeune sao dans moi master là. Activité a commencé dans mois avril. Que bon Dieu bénisse nous toutes. N'oubliez pas ce soir. Il y aura un grand concert avec tous les groupes de l'église à ce magnifique concert qui vous sera présenté ce soir à partir de 6h30. Maintenant, on va débuter avec la deuxième série de chants. Écoutons d'abord la chorale de la jeunesse de l'église Portail du ciel et la chorale des ados. On écoute maintenant la chorale de la jeunesse de l'église Portail du ciel. Elle sera suivie de la chorale des ados. Merci d'applaudir. OK. On va également profiter de cette occasion pour recueillir les offrandes ordinaires. Les officiers de
de l'association sont priés de recueillir pour le moment les offrandes ordinaires. Toute sœur d'Ocasio, madame pasteur, m'a demandé pour nous faire après la bénédiction finale. Sœur d'Ocasio, madame pasteur, m'a demandé pour nous faire après la bénédiction finale. Là. Jésus. Nous pour soulagement, il n'était dans quel
pi kab nou l'amour. Nou. Ma prete nou pe pou ka satisfè. Nou. C'est le moyen qui capte nous l'amour. Non. Ma prête non bien pour qu'à satisfaire.
Le Seigneur est mon roi, mon asile est mon libérateur. Il est mon Dieu à qui je trouve refuge. Mon bouclier, Dieu de mon salut, ma forteresse. Mon Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Quand il est à ma droite, je me chancerai peu. Qu'il est notre Dieu, si ce n'est l'Éternel. Il est notre rocher, il est notre roi. Notre roi, le Seigneur des Seigneurs, il est ma lumière et mon salut, l'Éternel ma force, il est mon berger, ma force, oui ma force, il est hey. Ma force, oui ma force, ma force, oui ma force, ma force. Yes, l'Éternel est ma force. Il est mon salut, mon libérateur, le Seigneur, le Seigneur. Oui ma force, yeah, yeah. Yes. Est-ce que vous avez aimé la prestation de la chorale des ados? Est-ce que vous avez aimé? Faites du bruit, applaudissez très fort la chorale des ados de l'église baptiste Maranatha de Limona. Pour clôturer la deuxième série de chants, on va écouter pour une deuxième fois la chorale de la jeunesse de l'église baptiste Maranatha. C'est quand même la chorale feutante. Et après, c'est le révérend Saint-Smir qui va présenter
le messager du jour. Écoutons la chorale de la jeunesse, suivie immédiatement après la participation de la chorale de la jeunesse, on écoutera le messager du jour, lequel messager sera présenté par le révérend Saint-Smir.
Merci d'applaudir la chorale de la jeunesse. Maintenant, on arrive à un moment important de la cérémonie. C'est le temps du message du jour. Pour présenter le messager, c'est avec beaucoup de joie que je m'apprête à remettre le microphone au révérend Saint-Smith. À nous prier pour offrande, consacrement d'offrande, mettons aussi mon cœur, le sort que j'ai demandé, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, esprit descend. J'attends l'effet du ciel. Bon Dieu, bénis-nous. Moment si la li bien spécial, c'est moment qui réservé pour méditation. Pas oublier, c'est méditation. Bon Dieu pour l'utiliser, pasteur là pour lui parler avec assemblée. Pas oublier ça, c'est méditation. Gagnons attitude qui meilleure pour nous gagner. Lorsque nous décidons d'entendre la parole de Dieu. Après encourager Koalio, viens prendre place nous, tandis que le pasteur pourra le parler, pas capable de va et vient dans le temple là. Après de même Koalio, pressé prendre place nous pour attendre le message de la parole de Dieu. Votre parole pour aujourd'hui, c'est pasteur Jean-Rony Chavan. C'est pasteur Jean-Rony Chavan. Nous avons plaisir, nous avons honneur pour nous accueillir. La caille nous pas bon ici. Pas quoi me tromper, moi, c'est pour la première fois. Moi-même, je prends le temps de lui, qu'à prêcher dans Maranatha. C'est pour bien dire nous que c'est pas dans la zone, lui grandit. Il est capable de faire parler nous plus de lui, même oui. C'est pas dans la zone ici à l'église, mais c'est serviteur de Dieu. Nous fait connaître avec lui, c'est par la Ligue des pasteurs de Limonade. C'est un bon ami, Ligue des pasteurs de Limonade. Il a un pile service déjà. Je dis, c'est une occasion qui est bien solennelle pour nous entendre lui. Pour la fête de moisson de la jeunesse. Moi, j'ai une félicitation pour nous-mêmes qui, jusqu'à présent, mettez-nous disponibles pour nous entendre sa bon Dieu pour le dire par serviteur. En nous purifier, nous, pour que nous soyons vases d'honneur pour bon Dieu. C'est sous thème ça qu'il va parler. Bon Dieu, bénis-nous. À nous accueillir pour la gloire de Dieu, le pasteur Jean-Rony Chavan. Merci, pasteur Saint-Smir Dubois. Nous sommes vraiment honorés parce que nous avons lié ça jeudi pour parler de la part de Dieu. Apôtre Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne le fais pas. C'est vraiment un privilège pour moi avec nous. Matin, l'église mon Dieu bénit. L'église mon Dieu bénit. Semblait l'église a fatigué, puisque nous l'a longtemps.
comprendre que nous voulons aller. Et maintenant, nous contents pour nous ensemble avec vous. Comme pasteur Saint-Simon dit déjà, nous c'est pasteur Chavan Jaoni. Nous sortis du côté de Port-au-Prince. Nous avons habité dans une zone pleine, dans une zone bon repos. Mais nous connaissons comment la situation est. Et qui mène nous dans la communauté, pas bon ici. Par rapport avec petite nous qui a étudié dans le campus universitaire. Et c'est par rapport avec lui-même, je dis, toute famille, nous, pas bon ici. Maintenant, de manière spéciale, moi, je voulais saluer la présence madame qui est avec moi. Elle a seulement fait un petit campé, passé pour l'église à Weli, puisqu'elle a vraiment avancé. C'est madame moi. Et nous gagnons. Merci, il t'a pris un salut, mais elle a vraiment couru. Et nous gagnons 26 ans depuis que mon Dieu mettait nous ensemble dans le mariage. Après 4 ans de relation, ça nous est le fiançage. Ça veut dire que nous gagnons 30 ans environ, et puis mon Dieu mettez nous ensemble. 26 ans dans le mariage, et nous vraiment contents. Nous disons, mon Dieu merci, jusqu'ici, il continue. Gardez-nous. Nous remercions pasteur Saint-Simon qui ben nous ont possibilité, qui prête nous cher li, pour nous capables de camper, comme il se dit déjà. C'est vrai, nous avons collaboré ensemble avec le pasteur là, par rapport avec pasteur Sophonie. Mais il peut attendre nous. Mais il est d'accord pour le prêter nous. Et enceinte libre, prêtez-nous espace ça pour nous parler. Nous vraiment remercier pasteur. Remerciement spécial à pasteur Dubois. Nous remercier comité jeunesse la matin hein, qui t'a fait nous invitation pour nous capables vraiment ensemble avec vous. Et nous remercier tout pasteur Sénat Sophonie. Ça qui arrivé, il peut arriver parce qu'il était allé à l'église matin, il était dit il a qu'à arriver mais il peut. Mais moi saluer lui parce que c'est par rapport avec lui-même, toute connexion que nous gagnons dans l'imonade, c'est lui-même qui ban nous connexion ça yo, qui permet que nous rencontrer avec des pasteurs, des collaborateurs. Et je dis, nous sommes capables vraiment dans Maranatha et pour nous camper, pour nous parler de la part du Seigneur. Matin, nous sommes vraiment contents. Sujet nous matin, c'est purifier nous pour nous capables vraiment des vases d'honneur pour bon Dieu nous. Nous sommes parents, trois enfants. Nous oublions tout ça. Nous sommes parents, trois enfants. Et bon Dieu, fais-nous grâce. Purifiez-nous pour nous avoir vraiment des vases d'honneur pour bon Dieu nous. Et dans la lecture méditative qui était faite, j'ai entendu lire pour nous. Mais ça n'a pas empêché que moi, j'ai essayé de faire une courte lecture dans PV, qui est Parole Vivante, que moi, j'ai aimé la version ça. Il dit, dans une belle maison, il n'y a pas seulement des plats en or et en argent. Il y a aussi des plats en bois et en terre. Les uns servent les jours de fête et les autres servent tous les jours. Et dans verset 21, il dit, celui qui se débarrasse des faux enseignements, il ressemble à un plat qu'on utilise les jours de fête. On le gardera pour le Seigneur. Il sera utile à son maître et il servira pour faire tout ce qui est bien. Maintenant, je t'apprends, mais dis-vous, j'en connais déjà, conservez-vous pour qu'il y ait vraiment un vase d'honneur. Conservez-vous pour qu'il y ait vraiment un vase d'honneur. Conservez-vous pour qu'il y ait utile, parce que vase ça, mettre là, utiliser ça, c'est vase d'honneur. Il n'est pas utilisé vase, il est vase vil, ça qui vraiment pas gain utilité. Ça pas veut dire pas gain utilité, non? Mais il utilise tous les jours. Je me rappelle bien, moi sorti dans zone Bénin, mais sauf que je ne pas voyer roche. Lorsque il y a un étranger qui vient la caille maman, il était toujours gagné des versions spéciales pour lui prendre et pour le servir tout le monde qui sortit loin, que lui baille considération, ou bien monde qui yo considéré comme étranger. Et mon quoi ça arrivait tout côté. Yo a l'ouvri pantière, y a l'ouvri garde manger, y a l'ouvri tiaina, y a l'ouvri quelques bagaille qui réservait et pour yo prendre. Pour être capable
utiliser et pour yo servir moun sa qui sorti loin qui vinn la kayli. Mais pourtant ou même qui c'est moun kayla ou même qui a servi dans la cour ou même qui a servi dans jardin ou même qui a servi dans communauté avec li hein? Chaque matin vaisseau pour la lever laver et automatiquement vini yo prend et yo servi yo. Ça veut dire hein? Le Seigneur mande ou matin hein? Pour capable vraiment conserver ou nan on tiaina spécial pour capable conserver ou matin hein? Comme quelque chose spécial pour le Seigneur lui-même qui a joint nous pour le capable vraiment utiliser ou. Yo défini vase d'honneur comme récipient destiné à recevoir des liquides ou des matières sèches comme le grain. Et yo dit moi vase ordinaire yo yo te argile, yo te de bois ou bien de pierre. Mais pourtant vase d'honneur yo te d'airain d'argent ou de l'or. Ça veut dire des pierres précieuses, des pierres de valeur. Et une bagaille qui a attiré attention moi, c'est que moi constaté tout vase ça yo qui c'est vase d'honneur yo, ce sont des vases de valeur et ces vases qui gagnent grand prix. Ça veut dire matin on veut qu'on ait si que ou d'accord pour conserver ou comme un vase d'honneur en tant que jeune et en tant que adulte. Même la jeunesse c'est un état d'esprit. Ça qu'arrivait quand on gagne 55 ans mais on considère encore comme un jeune parce que la jeunesse c'est un état d'esprit qu'elle est. Et même matin on vient dire ou bien ou besoin conserver ou non seulement comme un vase de valeur mais un vase de grand prix parce que c'est exactement vase ça yo que bon Dieu lui-même l'attend pour le capable utiliser. Maintenant, bon Dieu mande ou pour capable marcher avec lui dans une vie qui est sainte et surtout dans une vie qui est sanctifiée. Et ça fait lorsque bon Dieu t'a relé Abraham pour marcher ensemble avec lui, lui t'a demandé Abraham de bagaille. Lui dit Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Pour marcher devant face moi Abraham, ou besoin intègre. Ça veut dire ou besoin gagner honnêteté. Ça veut dire ou son monde qui vraiment même genre apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, il dit ou besoin un monde qui gagner pensée qui honnête. Faut tout ça qui bon, tout ça qui agréable, tout ça qui mérite approbation et qui digne de louange que c'est eux même vraiment qui fait valeur. Maintenant, nous te trouver l'nécessaire pour que nous parler non seulement de vase d'honneur mais utiliser thème ça qui c'est synonyme de purifier hein, qui c'est sanctification. D'abord nous toutes net nous souvent entendez parce que il y a difficile en pile pour aller en l'église qui pas fait étude sur la sanctification. Peut-être nous connaît en pile bagaille déjà sur ça qui concernait la sanctification. Mais maintenant ça pas empêcher quand même moi faire une petite répétition parce que toute chorale ça ou ça chanter là, ils ont fait un pile sacrifice malgré ont tant de chants une fois, mais ont été obligés venir plusieurs fois dans répétition pour ont été vraiment kembé capturer chant pour que nous t'es capable vraiment venir déguster nous matin gens que nous t'a fait là. C'est qui ça exactement ça y est la sanctification. Yo dit la sanctification c'est caractéristique de celui qui est saint. La sanctification c'est caractère moun qui saint. Autrement dit, la sanctification c'est action par laquelle que Dieu déclare saint tout moun qu'elle relè dans Jésus-Christ. Moun qu'elle relè pour vin dans Jésus-Christ, li déclarer moun sa yo saint. Et c'est ça que fait si n'a regardé bien les trois niveaux de la sanctification que vous connaissez déjà. Parce que dans le christianisme, la sanctification est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuser le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Ça veut dire maintenant, nous venons dire bien, bon Dieu voulait qu'on soit saint, bon Dieu voulait qu'on ait une vie intègre, bon Dieu voulait qu'on marche dans sa présence. Mais sache que ben bien aimé, c'est pas avec capacité pas, mais c'est par la grâce de Dieu. Maintenant, nous voulons qu'on est capable ou qu'à vraiment satisfaire bon Dieu, ou capable vraiment arriver plaire avec Dieu. Mais c'est pas avec stratégie qu'on a fait. Mais c'est lorsqu'on compte sur la grâce de Dieu. Maintenant, il y a trois niveaux de sanctification présentés. Premièrement, il parle de ça, il y a la sanctification par positionnement. La sanctification par positionnement, il y a le positionnel
ou bien yo utilise terme initial pour lui. Ça veut dire, hein, lorsque vous arrivez dans le niveau ça, c'est lorsque le Seigneur lui-même lui relè ou. Bon Dieu relè ou et lui met toi ou dans Jésus-Christ. Ça veut dire, lorsque bon Dieu garde ou, bon Dieu pas garde ou comme Chavan Jaoni qui campe en face ou là. Il pas garde comme Saint-Smir Dubois, que Kishita qui c'est pasteur titulaire de l'église là. Mais lorsque il garde nous, il garde nous à travers Jésus-Christ. Il garde nous par positionnement en Jésus-Christ. Ça veut dire côté nous positionner nous dans Christ. Le fait que nous te répondons à l'appel de Dieu. Le fait que nous te répondons à l'appel du Saint-Esprit. Et nous positionner nous. Ça relève la sanctification par positionnement. Ou bien la sanctification initiale ou positionnelle. N'importe gens qu'on voulait relève. Mais ça qui est important, c'est qu'on a besoin de répondre à l'appel. Et ça fait dans Romains chapitre 8, verset 29-30. La Bible nous dit, ce que Dieu a connu d'avance, il les a appelés. Moun ni connaît d'avance yo, li rele yo. Moun ni connaît yo, li rele yo. Moun li rele yo, li justifie yo. Et moun li justifie yo, li glorifie yo. C'est moun li rele yo la justifie. Et c'est moun li justifie yo pour le glorifier. Mais bon bagay qui toujours attire attention, m'la m'rive en d'un texte. Moi dit en d'un texte, gen yon bagay ke m'pa wè. Et c'est ça où il est la sanctification. Bon Dieu rele nous, il justifie nous, il place nous dans le corps de Christ. Maintenant, il dit la glorifie nous. Où est la sanctification? Et pourtant, il est important pour nous mener en vie sanctifiée. Et c'est ça deuxième étape là, c'est ça où il est la sanctification progressive ou la sanctification continue. Ça veut dire non seulement vous besoin raccrocher avec Dieu en Jésus-Christ, ça veut dire bon Dieu ouais ou comme saint. Bon Dieu, ouais, ou comme purifié. Bon Dieu, ouais, ou comme justifié. Li pa gado nan état d'un côté avant. Li pa gado nan premier état, nan première dimension côté. Li vin gado en Christ. Et l'el gado li ou purifié. L'el gado li ou avec un robe blanc sous ou. C'est pas par rapport avec sacrifice qu'on fait. Mais c'est par rapport avec Jésus-Christ. Parce que c'est pas où l'oué, mais c'est Jésus-Christ l'oué. Mais maintenant, deuxième dimension, c'est la sanctification progressive. Lorsqu'on finit de positionner, maintenant on a besoin de faire progrès. Et maintenant, texte l'a bien dit, sujet a bien dit, purifiez-nous pour nous avoir vraiment des vases d'honneur pour le Seigneur. Amen, qui t'aime tout ça maintenant. Première étape purification, c'est le Seigneur qui fait l'envie. Le jour qu'il relève et puis il tâche en Christ. Depuis ce jour-là, et ça fait bon, Jésus-Christ a parlé avec les disciples, et puis il dit disciples, vous êtes tous purs parce que vous écoutez ma parole. Vous êtes tous purs, pas parce qu'on fait des efforts, mais parce que vous écoutez ma parole. Parce qu'on est d'accord pour être en bas bouche moi. Et ça fait l'apôtre Pierre après dit un bagage qui est intéressant. Lorsque Jésus arrivait au moment, un pile disciple virait de aller. Et puis Jésus après dit, monsieur, pour qui ça nous-mêmes nous rete? Et puis Pierre après dit, maître, moi connaissez où gain parole la vie, à qui côté vous voulez m'aller? Et puis depuis ce jour, monsieur attaché. Judas lui-même qui était attaché là avec les choses terrestres. Parce qu'elle te comprend ses stratégies, lui. Il comprend qu'elle t'a baillé Jésus. Après ça, Jésus t'a sauvé. Il t'a tout sauvé, 30 pièces d'argent. Mais non, Jésus te quand dit malheur à Kmounsa. Parce que la sanctification progressive, c'est vraiment important. Mais une bagaille, le Seigneur t'a enseigné, moi. Et que je voulais partager avec vous matin. La Bible nous dit, lorsque mon Dieu est là à travers Jésus-Christ. Parce que premier bagaille, cet esprit fait dans la vie, ou c'est convaincre, il convaincre. Dans Jean chapitre 16, le verset 7 et le verset 8. Jésus dit, disciples, m'bral aller, m'a quitté nous. Disciples commencent triste. Disciples commencent sentir déboussolé. Parce que zami yo, a mettre yo, a zami kon ba yo manger après le quitter yo. Et Jésus pral dit, monsieur, quitte me dit nous. Li avantageux pour moi aller. Parce que si m'pa aller, consolateur a pas ka venir. Et lorsque consolateur va venir, li va faire trois bagailles. Premièrement, il va convaincre nous. Il va convaincre nous de ça qui concerne le péché, la justice et le jugement. Premier bagage, cet esprit de Dieu fait dans vie ou lorsqu'on rencontre avec lui. Il convainc ou des premiers états côté. Après ça, il va le consoler ou. Après ça, il va l'accompagner ou. La sanctification progressive, lorsque mettre la finirait l'eau, il place dans Christ là. Après ça, mettre la campée en place. Et l'attend nous-mêmes qui pour avancer vers lui-même. Et c'est ça la sanctification progressive. Ça veut dire, ou bien des choses pour quitter en arrière. Et ça faut pas le jouer n'importe Paul qui pral dit, moi considère tout ça m'te connaît avant yo comme la boue, qui ont seul intérêt gagné, c'est atteindre l'appel de Dieu pour ma vie.
pour le ministère du royaume. Je ne sais pas l'autre bagaille qui intéresse encore. C'est courir vers le but. Il dit bien, pas parce que je connais mon arrivé déjà, mais je continue à courir jusqu'à ce que je arrive. Côté mettre la rue. Ça, c'est la sanctification progressive. Qui t'aime tout ça matin? Je ne sais pas si je connais combien de temps on a l'église. Peut-être l'église ça a fondé avant, comme l'église 90 ans. L'église, peut-être pas qu'on est exactement. Ou qu'on a 50 ans pour l'église. Mais ça qui est intéressant pour le Seigneur. Il ne veut pas qu'on aurait été toujours dans la sanctification positionnelle là. Mais il a besoin pour avancer. Et lorsque le Seigneur garde pour dire bon et fidèle serviteur, moi te confie au petit bagaille. Moi te confie au premier niveau et avancer là-dedans. Rentrer dans la gloire de ton maître. Maintenant, le Seigneur attend nous de la sanctification progressive. Et c'est ça le dit dans 1 Pierre. Premier verset 16, il dit, puisque moi-même moins saint, ou même tout, ou besoin saint. Puisque moi-même moins saint, ou même tout, ou besoin saint. Et troisième étape de sanctification, hein, c'est la sanctification finale. La sanctification finale, lorsque nous va dans la présence du Seigneur, laisse pas bien péché encore, pas bien Satan encore, nous va seulement dans la présence lui. Et la Bible nous dit en ce jour-là, regardez, il n'est pas important pour nous voir le soleil. Parce que la présence du Seigneur, c'est lui qui va le servir nous comme soleil. Nous va seulement dire chaque jour, Saint, 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 est l'Éternel des armées. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Ça, c'est la sanctification finale. Mais maintenant, qui t'aime tout ça? Pour y vivre une vie purifiée, une vie sanctifiée devant mon Dieu, il y a deux bagages qu'on a besoin qu'on ait. Il y a deux bagages qu'on a besoin qu'on ait. Premièrement, on a besoin qu'on ait la conscience de ta position en Christ. Ou besoin conscient de position dans Jésus-Christ. Ou besoin qu'on ait pour qui ça le Seigneur est là. Et ça fait qu'on bagaille toujours à boumer pour lui dans tout le monde qui est dans l'environnement. On dit premier bagage qu'on a besoin pour grandir dans le Seigneur, c'est bon Dieu pour qu'on ait. Ou besoin qu'on ait bon Dieu. Ou besoin conscient de position dans mon Dieu. Ou besoin qu'on ait. Ou besoin conscient de lui. C'est pas moun qui pourra boumer avant toute journée. Car la Bible nous dit, moun n'y te connaît d'avance sur les relais. Ça veut dire, sous nos positions, ça. Sous, il fait positionner comme saint. C'est parce que mon Dieu connaît. Eh bien, ou même tout besoin avancer chaque jour pour qu'on connaît le Seigneur. Le Seigneur attend nous. Le Seigneur attend même gens qu'elle connaît, là. Ou même tout pour qu'on ait. Deuxième chose importante qu'on a besoin pour qu'arriver mener une vie sanctifiée matin, une vie purifiée. Ou besoin gagner ça, ou la conviction que le Saint-Esprit fait sa demeure dans ta vie. Ou besoin conscient, conscient de ta position, mais deuxièmement, besoin convaincu. Ou besoin de conviction que vous êtes maison Saint-Esprit. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce qu'on ne connaît cet Esprit de Dieu? Il fait demeure dans où? Car la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Elle déclare que nous sommes petits de bon Dieu. Jésus-Christ dit, je ne suis pas prêt au serviteur encore. Je ne suis pas prêt au esclave, douloureux, non.